Ce soir, à 20h40, la vengeance souffle sur New York. Charles Bronson est un justicier dans la ville. Et à 22h15, le vent emporte Peter O'Toole vers la rédemption. Lord Jim, bonne soirée sur DCM. Appel à toutes les unités du secteur. Fusillade au 1070XM. Roger, unité à 32, bien sûr, on y va. Après un été à se tourner les pouces, à faire bronzette sur des plages bondées... Je veux voir des uniformes dans les rues. ...ou à défiler comme des majorettes, la police rentre enfin de vacances. Tu vois, ça c'est mon essai. Service secret fédéral. Inspecteur Madigan. J'en suis fier, je suis de la police. Oh les mains! Comme vous! Sur toi, les mains en l'air! Tous en uniforme, tous armés, vous êtes le shérif de Flickville. Monsieur Jessup, j'aimais votre travail. Cycle policier. Sidney Poitier embrase la chaleur de la nuit et Fritz Lang passe au règlement de compte. Jeudi 13 septembre à partir de 20h40 sur DCM. La semaine prochaine, dans Lundi Action. Je suis là pour déclarer ce magnifique édifice de verre la tour la plus élevée du monde. Pour éviter les étincelles entre leurs deux têtes d'affiche. Il y a un problème au 81e. Les studios Fox et Warner leur donnent exactement le même nombre de répliques. Chef, c'est Robert, c'est l'architecte. Quelle est la situation? Le feu a démarré au 81e étage. Et le même cachet. Oh non, il n'y a rien de dramatique. Il y a le feu, monsieur, c'est toujours dramatique. Un incendie au 81e n'atteindra pas les étages supérieurs. Le feu est incontrôlable et il se dirige vers nous. Vous avez environ 15 minutes. Les yeux bleus de Paul Newman et Steve McQueen voient rouge. La tour infernale de John Guillermin, le 10 septembre à 20h40 dans Lundi Action sur DCM.